notre message de paix à l'endroit de la population et en particulier à l'endroit des jeunes, c'est d'inviter tout le monde à avoir un comportement de paix à travers nos actes, nos pensées, nos paroles. Nous devons quand même faire tout dans la paix, dans la fraternité, l'amour qui caractérise le Béninois. C'est-à-dire bien que cette période de campagne coïncide avec la période de fête et que le jour des élections aussi coïncide avec un jour de fête. Donc ça veut dire que nous allons tout faire dans la fête, dans la fraternité et que tout se passera bien. Nous devons chaque fois, avant de parler, voir si ce que nous l'on dit, ça ne porte pas atteinte à la paix et tout se passera bien. L'autre chose est déjà bien que nous voyons cette année et plusieurs sensibilités politiques participer aux élections. Donc c'est de convaincre les électeurs à travers des propositions et que les électeurs puissent maintenant librement choisir les candidats ou bien la liste qui répond vraiment à leurs aspirations. Nous invitons, que ce soit les candidats, que ce soit les électeurs, à tous travailler dans une bonne collaboration, dans une ambiance pour que tout se passe bien.